5, 6, 7, 8. Non. 7, 8, 9. C'est un métier qui est vaste, je veux dire, qui a bien des facettes. Mais c'est clair que la dénonciation, dévoiler aussi qui on est, fait partie de ce métier-là. Mais ça, t'as un peu de misère avec ça. Dévoiler, quitter. Personnellement? Oh oui. Ben non, mais c'est juste que... Il y a des choses que je considère qui ont moins d'importance que d'autres, c'est tout. Okay. C'est sûr que je suis pas ici, malgré que je suis quand même assez à l'aise, là, présentement. Oui, oui, oui. Comme je suis chez nous, pas aussi libre ou... Mais... non, c'est quelque chose auquel je tenais aussi, c'est de me présenter le plus possible comme je suis. Mais moi, c'est la première fois que je te rencontre, que je fais une entrevue avec toi, puis dans le dossier que j'ai lu, qu'on m'a présenté, ça revient tout le temps. Difficile à interviewer. Mm-hmm. Fermé. J'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression d'un gars qui parle. D'où vient cette aura-là? Ben, peut-être, comme tu dis... Ça dépend des questions qu'on me pose. Il y en a qui m'intéressent, il y en a qui m'intéressent pas. Roy, il y a mon homme de ménage, tu sais, il travaille tellement, puis il me disait qu'il n'y a pas tellement le temps de regarder la télévision, lui. Il m'a dit, demande-y, dans quel épisode Marina Orsini se déshabille? Est-ce que ça arrive, ça, Roy? Ça arrive. Ça arrive, ça arrive une couple de fois. Une couple de fois. Ouais. Tu sais, à partir du moment où tu tombes dans le personnel, puis dans ce que je porte comme bobette, puis que... Après la pause, la suite de cette entrevue avec le pas si taciturne que ça, Roy Dupuis. Je pars pour un voyage autour du monde à voile. OK. Puis il n'y a pas de date de retour. Tu pars, c'est pas quand tu reviens. Mais c'est quelque chose que je prépare maintenant depuis 4 ans. Il y a 4 ans, j'ai trouvé le bateau. Je travaille dessus pas mal tous les hivers. Mais vas-tu être capable de partir comme ça? C'est vraiment un appel qui est très fort. C'est vraiment un autre point de vue sur la vie. Mais, Roy, y a-tu une fuite là-dedans? Parce que là, c'est aux îles Mouk-Mouk, là. Non. Tu vas avoir la paix. Non, non, c'est pas une fuite pour moi. Non, mais y a pas une partie de fuite là-dedans? Non. C'est l'inverse. C'est encore la curiosité. C'est encore... C'est là où je pense que j'en ai le plus à apprendre, tout simplement. D'après toi, ça va être 1 an, 2 ans, 3 ans? Qu'est-ce que tu peux te permettre comme temps? D'après moi, je dirais minimum 5 ans. Mais là, 5 ans. Roy Dupuis va décrocher 5 ans. Ça se part comme bateau. S'il y a vraiment un projet... que je fais, bon, ça, faudrait que je le fasse. J'ai envie de le faire, vraiment. OK. Je peux parquer le bateau là, pogner l'avion, y retourner, puis repartir. 2 mois, puis repartir. Mais ça, je te dis ça avec ma tête de terrien. Non, mais on parle oui, sur terre, là, oui, je sais, mais je sais pas comment je vais être, moi, après 6 mois en mer, là, ou 1 an. Quand les filles parlent de beau gars, ton nom sort tout le temps. Ça fait 15 ans que t'es avec la même fille. Il y a plein de gars dans ta situation qui auraient eu 150 blondes. C'est quoi le secret? On n'est pas mariés, puis c'est comme ça que je vois ça aussi. J'étais avec toi aujourd'hui, puis j'ai pas envie de te mentir, puis te dire que je vais être l'année prochaine. Mm-hmm. Je sais pas. Et pourtant, ça dure. Je peux me voir vieux avec cette femme-là.
Regarde, j'ai donné aussi. Hein. T'as eu ta vie de party. J'ai eu ma pause, là, ouais. Jusqu'à 33 ans. C'est venu un peu en même temps que j'ai arrêté de boire, hein, puis de faire de la drogue, puis j'ai changé de mode de vie. T'as dit, OK, l'alcool, la drogue, fini. Moi je débarque de ce bateau-là. C'était quoi le signe? Y a-tu un signe où, à un moment donné, le corps t'a dit, OK, là-dessus, ça peut plus marcher? Ben, quand t'es sur le bord d'une fenêtre d'hôtel pis t'as envie de te crisser en bas, là, pour rien. Ça a été, quand je me suis réveillé le lendemain de ce soir-là, ça a été un des... C'est progressif. J'ai eu du fun. J'ai découvert tout un univers, tout le nightlife. J'avais beaucoup de curiosité aussi. Puis je peux même dire que c'est un peu lié à mon métier. D'acteur, une espèce de débauche qui vient avec ça, une espèce d'univers. Ouais, toute la créativité. L'image romantique du comédien un peu bohème. Là. Voilà. D'ailleurs, ce qui m'a amené à faire ce métier-là, c'est le film Molière d'Henri Mouchkine. Okay. Une espèce de bohème là-dedans, puis de voyage. Donc, je dirais que les deux dernières années, là, le fun était plus rare. Là, c'était plus. Je commençais à être addict, quoi. Ouais. C'était à avoir besoin de boire. Ouais. T'avais besoin de faire la fête de ce milieu de vie-là. Le fun ne durait pas longtemps. Il pouvait durer la première heure, là, mais après ça, là, c'était comme une espèce de survie dans cet univers-là. C'était un besoin. Okay. Mais une fois dedans, c'était plus nécessairement le fun. Puis c'était compliqué aussi. Ça compliquait tout. Mais le wake-up call... Et à un moment donné, mais c'est ça. À un moment donné, si je continuais de même, ben je serais probablement mort aujourd'hui. À ce rythme-là. Oui. Et donc, à un moment donné, c'est une décision que j'avais à prendre. J'ai envie de vivre ou pas. Puis c'est sûr qu'encore là, je me considère comme un privilégié. T'sais, j'avais des bonnes raisons de vouloir continuer à vivre. Ça allait bien, j'avais une bonne carrière, si on veut. J'étais en demande. J'avais des bons chums. J'en ai perdu une méchante gang aussi. Ah oui? Ben, quand tu changes de... changer complètement de mode de vie. Parce que tu peux pas juste arrêter de faire la fête puis continuer à aller au bar, là. Non. Clairement dit, à un moment donné, ça a été ça. C'est le choix. J'ai pas envie de vieillir. Là. Mm-hmm. Je meurs jeune. Ouais. Je fais un Jim Morrison de moi ou j'ai envie de vivre. Puis j'ai envie de vivre. J'aimais la vie. Ouais. T'ennuies-tu de cette époque-là, des fois? Oui. C'est sûr. Mais tu peux sourire spontané quand je m'en ennuie comme par la pensée. J'ai pas l'énergie ou l'envie d'y aller. Ouais, même ça, qu'aujourd'hui, bizarre. Je bois. Là. Je peux boire aujourd'hui. Ouais. Sauf que je finirai pas mon verre. Okay. Je suis rendu à l'opposé. Dans le sens où dès que je sens que ça m'engourdit, j'aime pas ça. Okay. Mais t'es capable de prendre une bière, prendre du vin. Là. Okay. Ouais. C'est pas un rejet total là, comme. Non, c'est l'effet que j'aime plus. Okay. Là, je suis revenu comme quand j'étais petit cul qui veut pas aller se coucher hein, parce qu'il a peur de manquer quelque chose. Oui. Ben, c'est ça. La boisson, dès que je bois ou que je m'engourdis, je fais comme, ah non, ben, je manque. Je peux manquer un bout de la vie. Tu vas oublier des bouts. Puis c'est pas le fun d'oublier. Oublier, mais j'ai pas toutes mes sens. Je suis pas tout là. Je vis pas toute ma vie, là, tout ce que je peux faire avec. Ou, en tout cas, l'impression d'être, c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il me reste plus grand temps. Je trouve que la vie va vite. OK. Mais. Puis qu'il y a encore bien des affaires à faire. C'est drôle parce que on te connaît depuis longtemps, mais tu vas avoir 50 ans. Pas bientôt, mais. C'est bientôt. 5 ans, ça passe vite. Surtout à mon âge. Quand tu regardes en arrière, là, quand tu fais rewind, là, sur la télécommande, qu'est-ce que tu changeais? C'est sûr que des fois, je me dis. J'aurais dû continuer en sciences pures. Puis... Ah ouais. Être scientifique. C'est être un scientifique, puis scruter, puis être sur le terrain. Tu sais, comme on voit des fois des scientifiques qui s'en vont
en mer, ou des explorations dans le fond de l'eau, puis des analyses, puis... Ça, c'est peut-être une des facettes que je connaîtrai jamais, vraiment. T'es un gars secret, tu l'as dit tantôt, la ville, tu te sens comme sur un stage, t'as fait le pari de vivre, toi, loin de la ville, t'as bâti ta maison. Mm. C'est pas juste une maison, c'est quelque chose de... t'as un lien viscéral avec ce bâtiment-là. Il est là depuis le matin. C'est certain qu'il a grandi à faire peur. Ça, ça me vient d'un autre bonhomme bien important pour moi, qui était André Tifot, mon oncle, le frère de ma mère. Un père choisi, si on veut. Ah, oui. Ouais. Ben lui, il avait sa maison de campagne, puis souvent, j'allais l'aider. À sculpter le paysage, comme il disait. Je choisis ses arbres. Sculpter le paysage. Il a fait ça pendant 35 ans. Puis c'est une vieille maison qui a retapé, puis on travaillait là, puis... Ça m'a appris l'importance qu'une maison peut avoir, tout simplement, comme objet, comme... puis comme possibilité aussi de s'exprimer. T'sais, tu peux... C'est toi qui décides la couleur des murs, des textures que tu mets, des matériaux que tu utilises. D'en faire un chez vous. Comme base. Ouais. Quelque chose qui t'ancre. Dans... Ouais. Puis en plus, mais c'est sûr que... Étant connu, c'est un endroit que ça m'a pris comme... J'ai cherché pendant 6 ans. Puis, bon, étant connu, ben le fait de... chez nous, là, je pisse où je veux. Tu comprends? J'ai pas besoin de checker, voir s'il y a un voisin qui me regarde. T'es isolé. Ouais. T'es dans ta bulle. C'est ça. Je suis chez nous. Je retrouve, finalement, la liberté, que je perds un peu, la liberté de l'anonymat. Voilà, un des seuls endroits où je me sens... où je retrouve cette liberté-là, c'est chez nous. Donc, c'est très important pour moi. Mais c'est intéressant ce que tu dis quand tu dis que ça peut être une création aussi, une maison. Oui, une part de créativité. Mais oui. C'est pas juste un toit puis des fondations. Là. Ah non. Puis ça aussi, c'est quelque chose que je sentais que j'avais besoin. On travaille beaucoup dans l'abstrait, les acteurs. On est dans notre tête. Dans le texte, les émotions. T'sais, on finit par voir le résultat au cinéma, mais en même temps, il est mélangé au travail de bien d'autres personnes. Donc, de pouvoir travailler dans le concret, quand tu plantes un clou dessus le plan, quand tu décides de couper la planche de même, ça fait du bien. C'est drôle, avant de commencer à t'interviewer, je me faisais l'idée d'un gars torturé, mais t'as l'air d'un gars super heureux dans la vie. Oui, ben c'est sûr, j'ai mes parts, là. J'ai mes bouts, là. Mais je suis pas... C'est la psychanalyse. En partie. En partie la psychanalyse, en partie la vie, en partie moi. Ce que tu décides à un moment donné de devenir, ou d'être plutôt. Mais c'est vers ça que je tends. J'essaie de tendre vers la simplicité. À t'éloigner du côté plus sombre. Non, il est important, mon côté sombre. Peut-être que j'y en investis moins. Mm-hmm. Donc, le côté lumineux commence à prendre plus de place. J'investis plus du côté positif, si on veut. Tu construis plein soleil. Ouais. Merci. Ben, ça fait plaisir. Réciproque. Salut. Merci. C'est super le fun. OK. Je savais pas comment appréhender cette entrevue-là, mais...